Bonjour à tous et merci à vous tous déjà pour être là. Et merci beaucoup aussi aux organisateurs de ces colloques, cette jolie initiative. On a eu beaucoup d'enthousiasme pour participer. Donc merci beaucoup et aussi merci à la mairie de Collioure pour avoir soutenu cette initiative. Donc, comme a été déjà dit, alors je suis enseignant-chercheur à l'Université de Perpignan depuis 2007, pas 2017, mais et je suis spécialiste en géosciences marines et je travaille essentiellement sur la reconstitution du climat du passé à partir des archives sédimentaires, comme j'ai précisé dans le titre. Et voilà, donc pour commencer, je vais vous montrer une courbe qui raconte un petit peu l'évolution du climat de la Terre depuis 65 millions d'années. Donc c'est une échelle des temps plutôt longue et donc cette courbe est très célèbre parmi la communauté des paléoclimatologues. On connaît très bien les variations climatiques depuis 55 millions d'années. Alors, pour se positionner dans l'histoire de la Terre, cette période est appelée le Cénozoïque et commence juste après la disparition des dinosaures, après la crise qu'on connaît comme la crise Crétacé-Tertiaire. Alors, dans un monde très différent du monde moderne, alors cette courbe indique l'évolution des températures sous la Terre depuis cette époque. Alors, je vais faire une petite précision sur l'origine de cette courbe. Il s'agit d'une reconstitution des paléotempératures qui sont mesurées à partir de la caractérisation chimique des molécules d'oxygène qui sont contenues dans les tests calcaires des protozoaires marins, les foraminifères. Les foraminifères sont des organismes unicellulaires qui vivent dans le milieu marin. Ils fossilisent grâce à cette petite coquille en calcite et qu'on retrouve donc dans les sédiments. Là, de l'oxygène de la calcite, on peut mesurer un rapport isotopique qui dépend de la température. Et donc, dans toutes les courbes que je vais vous montrer au cours de mon exposé, alors la partie en haut, ce sera les températures plus hautes. La courbe, quand les valeurs du bas de la figure, ce sera la température plus froide. Donc, si on parle de l'évolution climatique de la Terre, pendant les 65 millions d'années, la planète s'est refroidie. Et ici, vous savez indiquer l'apparition de la calotte antarctique qui arrive autour des 30 millions d'années, plus ou moins stable. La calotte arctique arrive beaucoup plus tard, arrive à 2,6 millions d'années environ et marque le passage entre tout ce monde-là et ce qu'on appelle comme le Pléistocène. Le Pléistocène qui fait partie du système quaternaire qu'on a évoqué plusieurs fois pendant les exposés précédents. Le Pléistocène qui est l'époque où nous vivons. Je voudrais quand même faire un petit peu le point sur l'intérêt de la paléoclimatologie, c'est-à-dire pourquoi on s'intéresse au climat du passé. Le premier intérêt, le plus important, c'est comprendre la variabilité naturelle du climat. Donc, en dehors de toutes les perturbations anthropogéniques, etc., donc la paléoclimatologie nous permet de faire ça de manière très précise. Et donc, le deuxième intérêt, c'est d'avoir
en étude sous des archives longues, sous des échelles de temps très longues, et surtout par rapport à la modélisation du climat futur, permettent aux modélisateurs de tester le climat sous des conditions qui sont différentes des conditions actuelles. Et donc, pour venir un petit peu à l'explication sur les facteurs qui font changer le climat, parce que maintenant on sait qu'il change vraiment de manière considérable sous des échelles de millions d'années, mais aussi sous des échelles de dizaines ou des centaines de milliers d'années, voire sous des échelles plus courtes. Je vais faire quelques petites précisions sur les facteurs qui font changer le climat. Sophie Grégoire en a parlé un petit peu hier. Je vais reprendre les mêmes principes. Et tout d'abord, je voudrais quand même poser des principes fondamentaux, des bases pour la compréhension des variations climatiques sur la longue échelle des temps. Alors, le premier principe, c'est que le Soleil est la première, la plus importante source de chaleur sur Terre. Il n'y en a pas d'autre. Le deuxième principe, pour comprendre et interpréter ces données, il faut savoir que le changement climatique n'est pas le résultat d'un seul processus isolé. Alors, ça dépend bien évidemment des échelles de temps, mais c'est le résultat des interactions complexes, parfois difficiles à interpréter, entre des processus géologiques. Alors, les processus géologiques, c'est juste pour avoir une idée, alors je parle éventuellement de la dynamique de la lithosphère. Donc, la tectonique des plaques entre en jeu également sur l'échelle des millions d'années, entraîne des changements globaux, entraîne les changements des positionnements des continents, des tailles des bassins. Donc, c'est un facteur important, mais sur une échelle très très longue, je le répète, sur les millions d'années. Astronomique, c'est le sujet dont je vais préciser juste après. Et atmosphérique, bien sûr, les phénomènes atmosphériques, donc là-dedans, on met bien évidemment l'effet de serre qu'on connaît tous, l'effet de serre qui est un processus naturel, mais qui peut être amplifié, bien sûr, actuellement en particulier, par les activités humaines. Et le troisième principe, que pendant toute l'histoire de la Terre, le climat et la lithosphère et la biosphère, pardon, ils ont eu des interactions. Donc la biosphère est affectée toujours par les changements climatiques et l'inverse. Alors, je vais me focaliser maintenant sur les pléistocènes, ces fameux pléistocènes, donc du quaternaire. Les pléistocènes commencent 2,5 millions d'années, il y a 2,5 millions d'années, donc coïncide avec l'apparition de la calotte glaciaire arctique. Et pendant les pléistocènes, ce qu'on observe au niveau des changements climatiques, c'est une cyclicité. Il y a des cycles climatiques qui se répètent. Au début, avec une cyclicité qui est estimée autour de 40 000 ans. À partir d'un million d'années, c'est plutôt une cyclicité de 100 000 ans. Et pour expliquer ce type de cyclicité, c'est la théorie de Milankovitch, la théorie du forçage orbital, des changements des paramètres orbitaux qui a été formulée il y a longtemps, hein, dans les années 20. Alors, il y a trois composantes donc, qui déterminent la position de la Terre
par rapport au Soleil, notre source de chaleur, l'excentricité de la Terre, qui a une cyclicité, qui contrôle une cyclicité climatique d'environ 5000 ans, l'obliquité de l'elliptique. Donc là, nous sommes dans la cyclicité de 40 000 ans et la précession des équinoxes, qui est par contre, là, nous sommes dans une cyclicité d'environ 20 000 ans. Alors, ces trois composantes, précession, ici, vous avez les courbes de variation. Donc, la précession 20 000 ans, obliquité 40 et l'excentricité 100 000 ans, superposée à une cyclicité de 400 000 ans, détermine les taux d'insolation sous la planète et résulte dans les cycles glaciaire-interglaciaire. Donc, c'est un contrôle essentiellement sur le volume des glaces présents dans les calottes glaciaires et qui détermine la variation de ces cycles climatiques. Alors, dans les concrets, donc les cycles climatiques glaciaires et interglaciaires sont accompagnés par des variations des tailles de la calotte glaciaire. Alors, ici, nous avons une autre courbe, toujours pareil, les hauts des courbes correspondent à des températures chaudes, les bas à des températures froides. Alors, c'est encore une courbe très précise qui est, c'est une reconstitution, encore une fois, faite sous la base des analyses chimiques de ces tests des foraminifères, donc des protozoaires marins. Et donc là, voilà, nous pouvons voir les cycles climatiques. Un cycle climatique, pour définir un cycle climatique, on définit un réchauffement et puis un refroidissement. Le réchauffement est rapide, le refroidissement est long. Et le cycle est compris entre deux refroidissements. Alors voilà, donc la cyclicité, 40 000 ans plutôt ici, 100 000 ans plutôt là. Le changement, ça s'est fait autour de 1 million d'années, entre 1 900 000 ans. Voilà. Et donc ces cycles, ils sont numérotés. Disons que ça, c'est pour une facilité de lecture et de, quand on parle des cycles climatiques, on les appelle avec des chiffres. Sont numérotés, alors les chiffres qui correspondent à des pics, donc à des périodes interglaciaires, sont des chiffres impairs. Les phases glaciaires sont des chiffres pairs et chaque chiffre correspond à ce qu'on appelle les stades isotopiques marins, qui est défini sous la base d'une chronologie bien précise et auquel tout le monde fait référence. Voilà, donc nous sommes ici dans le stade isotopique 1, donc le dernier stade isotopique, c'est un interglaciaire. Alors, les variations glaciaires-interglaciaires s'accompagnent, comme j'ai déjà dit, à des variations de taille de la calotte glaciaire. Quand on parle des variations de taille de la calotte glaciaire, on parle forcément de la variation du niveau de la mer. Encore une courbe, ce n'est pas la même que la précédente, ça ressemble, mais ici, vous savez les variations relatives du niveau de la mer pendant 500 000 ans. C'est une échelle un peu plus courte que la précédente, mais vous retrouvez tous les cycles. Les cycles, là, j'ai marqué juste les interglaciaires, les cycles climatiques. Alors, ça peut paraître un peu surprenant, mais ce qu'on peut voir, alors, pendant les phases glaciaires, nous avons des baisses du niveau marin qui sont très importantes. Alors, ici, c'est entre 100 et 120 mètres plus bas que le niveau actuel.
pendant les phases glaciaires, donc pendant l'expansion des calottes arctiques et antarctiques, plus tous les glaciers continentaux. Le niveau marin actuel, il est là. Et les interglaciaires, donc nous sommes dans un interglaciaire, vous voyez que les interglaciaires sont autour de la valeur actuelle, sauf peut-être, mais peut-être, ce n'est pas sûr à 100% de tous les globes, au stade isotopique 5, où le niveau de la mer était un petit peu plus haut, et on va dire de manière peut-être un petit peu approximative, mais ça peut être entre 5, plus 10 mètres au niveau global, par rapport à l'actuel. Alors, encore une fois, les variations du niveau de la mer, elles sont estimées avec le même outil, la caractérisation isotopique de la calcite des foraminifères, donc de ces organismes marins. Alors, voilà, ça c'est à l'échelle des plusieurs centaines, des milliers d'années. Maintenant, je vais resserrer un petit peu l'échelle. Alors, là, je montre 125 000 ans. Et sous cette courbe, nous avons une autre chose, alors une autre base de données, c'est la variation du rapport isotopique, toujours le même outil, le paléothermomètre, mais cette fois-ci qui était mesuré dans les calottes de glace. Et en particulier, là, on parle du forage de Groenland. Alors, il y en a plusieurs. Moi, j'ai choisi de prendre les Nordgrip, mais ils sont plus ou moins tous pareils. Alors, 125 000 ans, ça veut dire le dernier interglaciaire. Donc, nous sommes ici. Et là, c'est la base du stade isotopique 5. La base, ce n'est pas exactement la base, mais on est dans le stade isotopique 5. Et nous avons tout ça à l'intérieur. Alors, ça, c'est une variation qu'on appelle variation rapide à l'échelle millénaire. Donc, on raccourcit un petit peu. Et vous voyez comme ces variations de température, qui sont considérables, sont de l'ordre de 5-10 degrés, ont été identifiés pendant tout cet intervalle de temps. Alors, les pics que vous voyez ici et que j'ai appelés les coups de chaud, ce sont des coups de chaud, ouais, des réchauffements très rapides qui se sont faits dans l'espace de quelques dizaines d'années, et qui sont suivis par un refroidissement. Le refroidissement est toujours plus long, et donc ceux-là font partie de ce qu'on appelle les interstades des Ansgarhoger. Ansgarhoger, ce sont les noms des scientifiques qui l'ont identifié, ou interstades de Groenland. Et en bas, vous avez par contre des refroidissements qui parfois sont très intenses. Alors, ce sont les coups de froid et qui on connaît bien sous les noms des événements d'Heinrich. Les événements d'Heinrich sont des refroidissements très forts et qui sont accompagnés par la débâcle des icebergs de la calotte arctique. Alors, l'origine de cette variabilité millénaire n'est pas tout à fait orbitale. Il y a peut-être une composante orbitale, mais les moteurs du climat à cette échelle est plutôt ce qu'on appelle la circulation thermohaline. Bon, maintenant on ne l'appelle plus comme ça, on l'appelle Atlantic Meridional Overturning Circulation, mais disons que pour cette séance, je l'appellerai circulation thermohaline. La circulation thermohaline, c'est les fameux tapis roulants, c'est-à-dire les parcours que les masses océaniques font autour de la planète, qui prend origine dans le nord de l'Antarctique, où il y a la formation d'eau froide qui est marquée avec ces flèches bleues, eau froide qui plonge
et repart vers le sud, qui se réchauffe, repart vers l'océan Pacifique, l'océan Indien, et retourne vers l'océan Antarctique pour boucler la boucle. Alors, la variabilité millénaire est plutôt liée à des perturbations de la circulation thermohaline qui est plutôt en relation à la dynamique glaciaire. Donc, ce sont des variations de la calotte glaciaire qui déterminent la stratification des eaux océaniques de l'océan Atlantique du Nord à cause de la fonte des calottes glaciaires qui injectent de l'océan de fortes quantités d'eau douce. Et voilà. Alors, donc, c'était pour la partie générale d'introduction. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de les concrets. Qu'est-ce qu'on fait pour les études des climats du passé? Alors, moi, je fais partie des personnes qui naviguent. Donc, je travaille beaucoup sur le terrain. J'embarque sous des bateaux océanographiques. Alors ici, vous avez la photo d'un bateau océanographique des forages, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des bateaux océanographiques qui font des mesures in situ ou des échantillonnages différents que les forages, c'est-à-dire des carottes sédimentaires, on les appelle comme ça. Donc pour de l'objectif de récupérer ces sédiments, les sédiments, alors ici vous avez un petit peu des photos des sédiments récupérés, juste échantillonnés sous le fond marin et qui enregistrent ces sédiments des variations climatiques, des variations d'environnement, pas seulement climatiques, des variations d'environnement et donc ils nous racontent l'histoire du climat, entre autres. Alors, bien évidemment, on s'intéresse beaucoup au contenu biologique de ces sédiments et en particulier aux fossiles calcaires ou siliceux. Alors, pour préciser aussi un petit peu, alors les outils que nous utilisons pour les études, concrètement, on les appelle les proxys. Alors, les proxys, ce sont des objets, des paramètres qu'on peut mesurer et qu'on peut traduire par l'utilisation des fonctions de transfert à un paramètre physico-chimique comme la température, la salinité, etc. On ne va pas regarder dans le détail tout, ce tableau est juste pour montrer un petit peu la variété, et puis il n'y a pas tout bien sûr, des outils qu'on utilise, des paramètres climatiques qu'on peut obtenir et la résolution temporelle, on peut dire centaines de milliers d'années, voire millions d'années. Alors, je vais par contre faire une petite précision sur le dernier qui est là. Donc, l'architecture des sédiments, c'est un paramètre qui va nous intéresser, pas seulement pour le climat, pour tout un tas de raisons environnementales et qui rentre parmi les outils utilisés. Alors, quand on parle d'architecture des sédiments marins, alors, bien sûr, ça peut être aussi des sédiments non marins, mais bon, moi, je parle des sédiments marins puisque je travaille en domaine océanique. Donc, l'architecture des sédiments marins utilise une technique qui est la technique de la sismique réflexion, c'est-à-dire une technique qui permet de visualiser la structure des couches sédimentaires grâce à une source sismique qui est montée sous des bateaux océanographiques qui se reflètent sous les fonds marins et qui sont enregistrés par des capteurs qui sont traînés par les bateaux océanographiques et qui permettent de visualiser, comme ici, il y a juste un exemple de le golfe de Lyon, ils permettent de visualiser la structure des couches sédimentaires et leur géométrie. Donc, c'est une photo ou radiographie, comme vous voulez, du fond marin qui peut être réalisée à plusieurs dizaines ou centaines de mètres de profondeur sous le niveau marin. Alors,
J'ai quand même promis de parler de la Méditerranée. Et donc, les études des paléoclimatologies se sont concentrées pendant très très longtemps sur l'océan Atlantique, puisque l'océan Atlantique c'est un véritable moteur des variations climatiques. À côté de l'océan Atlantique, il y a la Méditerranée. La Méditerranée, on s'intéresse aussi parce que c'est un élément, un objet assez particulier. Pourquoi particulier? Alors, c'est un mini-océan, hein, c'est un bassin fermé avec une très très étroite connexion avec l'océan Atlantique. C'est un bassin qui est entouré de continents avec une morphologie variée. On va des chaînes de montagnes plutôt hautes, des plaines, et puis nous avons un déversement des fleuves, donc des grandes quantités d'eau douce, du Nil, du Rhône, du Po, de l'Èbre. La profondeur des mers est très variable aussi, on va jusqu'à 4000 mètres de profondeur. La circulation océanique est compliquée, puisqu'elle est contrôlée par la morphologie de chaque sous-bassin. Et puis, c'est une zone climatique transitionnelle, alors à la fois influencée par des phénomènes atmosphériques de Atlantique. Alors ici, j'ai juste mentionné l'oscillation nord-atlantique pour parler de la plus connue, mais indirectement, il est influencé aussi par la mousson africaine et donc par des phénomènes de zones climatiques tropicales. Voilà, alors pour commencer à parler justement de l'évolution du climat méditerranéen, donc disons que le climat méditerranéen suit les variations glaciaires, interglaciaires qui je vous ai montré à tout à l'heure. Alors, on va commencer à voir un petit peu à quoi ça ressemble l'Europe en période glaciaire. Donc, souvenez-vous qu'en période glaciaire, nous avons une baisse du niveau de la mer entre 100 et 120 mètres. Cette baisse du niveau de la mer, ça donne ça. Alors, les parties en rouge sous cette image correspondent à des plateaux continentaux, le plateau continental qui a émergé, donc il n'y a plus de mer. Ici, chez nous, c'est le golfe de Lyon qui est complètement émergé. Et sous les continents, nous avons une épaisse calotte glaciaire qui couvre une grande partie de l'Europe du Nord, mais nous avons des glaciers importants aussi dans les Alpes, dans les Pyrénées, et qui vont comment dire, influencer, contrôler les bassins versants des fleuves. Alors, pour parler des températures, alors, la mer s'est refroidie de quelques degrés pendant les phases glaciaires, jusqu'à environ moins 8 degrés. Et sous les continents, qui s'est refroidie de manière plus intense, nous avons des variations de température entre moins 6 et moins 12 degrés par rapport à l'actuel. Et pendant les phases interglaciaires, alors, nous sommes dans une période interglaciaire. Parler des phases interglaciaires, c'est plus difficile. Déjà, si on regarde la courbe, vous pouvez voir que tous les interglaciaires, ils sont différents. Ils sont différents en amplitude, en durée, et la configuration astronomique n'est jamais la même. Et donc, généraliser sous les interglaciaires, c'est plus compliqué. Donc, puisqu'on en a parlé déjà hier, hein, Sophie Grégoire, encore une fois, je cite, elle a illustré un petit peu le Languedoc-Roussillon en période interglaciaire. Donc, je vais me focaliser un petit peu sur les fameux stades isotopiques 5, qui date d'environ 125 000 ans.
l'Europe au stade isotopique 5, l'Europe et la Méditerranée. Alors, sur cette figure, c'est disons qui on peut les commentaires que je peux faire et qui en fait les pollens qui sont préservés dans les sédiments mettent en évidence une variation, une distribution des végétales qui est plutôt différente par rapport à l'actuel. Alors, l'Europe est essentiellement couverte des forêts à feuillage caduc, voilà, et qui témoignent des longues périodes de climat chaud, surtout en été, même s'il y a des intervalles qui sont un petit peu plus froids. Et la forêt méditerranéenne est un petit peu plus réduite. Par rapport aux températures globales, alors ici je vous montre les résultats d'une simulation numérique qui a été réalisée avec des contraintes justement obtenues sous la base de ces données paléoclimatiques. Alors, ce qu'on peut observer est que les températures dans les zones tempérées sont plus élevées que l'actuelle. Alors, et les rouges montrent la différence de température par rapport au climat actuel. Alors, nous sommes dans la gamme de 4-5 degrés de plus par rapport à l'actuel, sauf dans la zone tropicale. Concernant les précipitations, alors ici c'est quand même intéressant. Les données, ce sont des modèles très très larges, hein, mais si on resserre, on peut observer la même chose. Dans la zone méditerranéenne, il y a plutôt une baisse des précipitations. Dans la zone tropicale, une augmentation de l'intensité de la mousson africaine. Donc, des précipitations beaucoup plus intenses, mais beaucoup, alors, qui ont des conséquences. Alors, je vous parle très rapidement des conséquences de cette augmentation des précipitations relatives à la mousson africaine. Alors, la conséquence est qu'en Méditerranée, et je précise en Méditerranée orientale, nous avons des apports d'eau douce qui sont beaucoup plus importants par rapport à la normale et qui se reversent dans les bassins levantins. Cet apport d'eau douce, alors ici vous avez un petit schéma très très simplifié, les apports d'eau douce entraînent une stratification de la colonne d'eau. Donc il n'y a plus de mélange vertical. Et il y a un appauvrissement en oxygène du fond de la mer dans la partie orientale. Cette anoxie, parce que c'est une véritable anoxie, s'est traduit, était enregistré dans les sédiments, par des niveaux noirs, des niveaux où nous retrouvons de la matière organique préservée et qu'on appelle sapropelle. Hein. Donc ça, c'est la conséquence de l'apport d'eau douce par les Nils en Méditerranée. Et maintenant, je me rapproche un petit peu vers la Méditerranée occidentale. Alors, la Méditerranée occidentale, et en particulier, je voudrais vous parler un petit peu du Golfe de Lyon, c'est-à-dire de chez nous. Alors, le Golfe de Lyon représente un objet géologique intéressant, puisque c'est, dans le langage géologique, c'est une marge continentale passive, donc qui ne bouge pas trop avec la tectonique. Avec une subsidence, donc un taux d'affaissement constant, donc qui crée de l'espace pour l'accumulation des sédiments, et un fort apport de sédiments qui provient d'un gigantesque bassin versant qui amène tous les sédiments dans les gouffres de Lyon. Et
C'est un chantier important ben, pour l'Université de Perpignan, et, cela a été pour l'IFREMER, hein, quand j'étais à IFREMER, et, mais nous avons vraiment beaucoup de connaissances qui sont liées au fait que nous avons des données déjà disponibles et qu'on continue à développer, à acquérir, actuellement et je pense, j'espère aussi dans le futur. Donc nous avons beaucoup de profils sismiques, hein, beaucoup des prélèvements des carottes sédimentaires, des forages, des mesures géotechniques, des mesures des paramètres océanographiques et donc on connaît le golfe de Lyon très bien. Alors sous cette carte bathymétrique, vous pouvez voir les contrastes morphologiques entre les plateaux continentaux du golfe de Lyon, alors plutôt plat et large, la pente continentale, les bassins profonds, la pente est incisée par de nombreux canyons. Et alors ici, nous sommes autour des 100 mètres de profondeur. Et donc là où j'ai marqué la ligne rouge, c'était la plage des phases glaciaires. Donc, pendant les phases glaciaires, les niveaux marins étaient descendus jusqu'ici. Tous les plateaux continentaux étaient émergés. Alors, pour parler un petit peu plus de ça, et si voilà, j'ai fait un zoom sous cette partie où nous avons des forages. Donc ici vous avez les canyons de Bourcard, les canyons de l'Aude, de l'Hérault et de l'Aude. Alors les traits des côtes de LGM, donc de la dernière glaciation, et nos forages qui vont nous raconter quels sont les cycles de Milankovic dans le golfe de Lyon. Alors, je vous montre sous ces profils donc, la radiographie du fond marin, les plateaux continentaux, la pente continentale avec nos forages et les boutons jaunes indiquent les paléorivages, donc les plages fossilisées plus anciennes, là où l'homme de Totavel pouvait se promener, ou plus récentes, là où l'homme de Cro-Magnon pouvait se promener. À côté de ça, nous avons la trace des deltas sous-marins. Des deltas sous-marins qui maintenant le delta du Rhône, hein, c'est la plus grande delta de la Méditerranée, un des plus grands deltas de la Méditerranée. Donc il est beaucoup plus à l'intérieur, hein, vers les terres. Et pendant les bas niveaux marins, ils étaient là. Et puis nous avons aussi la trace des canyons creusés et enfouis sous les sédiments pendant les quaternaire. Si on regarde un petit peu plus rapidement les plages fossiles, alors ici vous avez un petit schéma synthétique des forages. Hein. Donc ces plages fossiles, c'est des épais, il s'agit des épais corps sédimentaires sableux et qui mesurent à environ 30 mètres. Alors, il y en a de plusieurs âges, et nous sommes sûrs qu'ils sont des plages fossiles, puisque on retrouve des petits trucs comme ça. Ce sont des beach rocks. On les retrouve ici, ici. Donc, des beach rocks, ce sont des grès de plage, qui sont du grès cimenté, du sable cimenté qui se cimente très rapidement dans la zone de déferlement des vagues. Et nous avons la certitude aussi qui correspondent à des plages glaciaires, puisque, alors je ne vais pas me perdre dans les détails, mais on retrouve des mollusques, là où il y a ce grès des plages, on retrouve des mollusques d'origine polaire, donc il faisait froid. Alors je passe rapidement à la pente. Alors je pense que je vais vous raconter juste quelques petits détails. Donc les plages fossiles sont là, le trait des côtes glaciaires et puis les deltas sous-marins
qui là enregistre également les variations glaciaires interglaciaires. Nous retrouvons alors encore une fois la radiographie du fond marin. On retrouve des foraminifères planctoniques d'origine tropicale, donc qui témoigne d'un climat chaud et une sédimentation très particulière, c'est-à-dire que nous avons un enregistrement, disons, glaciaire qui est lié à des fortes décharges des fleuves qui creusent beaucoup pendant les périodes glaciaires et amènent tous les sédiments sous la pente continentale et puis des surfaces de condensation donc très fines pendant les périodes glaciaires puisque les sources des sédiments sont très éloignées. Alors, les cycles de Milankovitch sont enregistrés à peu près comparables à la variation des Antarctiques et Arctiques, donc du climat global, avec une petite différence sur les températures à l'échelle millénaire. Alors, pour ça, je vais vous parler des derniers 50 000 ans, des mesures qui ont été faites sur un transect Méditerranée occidentale. Voilà, je vais passer aux courbes, toujours les mêmes, les hauts des températures, les hauts de la figure, les basses, les valeurs plus faibles correspondent à des températures inférieures. Alors ici, on a superposé les variations des carottes antarctiques les variations des températures mesurées en Méditerranée occidentale pendant les variations rapides. Alors, ce qu'on observe, je vais vous le dire tout de suite, est qu'en Méditerranée, l'amplitude du réchauffement est plus faible. Est plus faible, mais pas pour des raisons climatiques. L'amplitude, ça c'est la carotte des glaces, ça c'est nos sédiments de la Méditerranée. Pour des raisons océanographiques, c'est-à-dire que la circulation océanique, la formation d'eau froide, l'action donc des vents du nord, de la tramontane, des Doumestral, refroidit l'eau, fait plonger l'eau et atténue, il y a une atténuation de l'amplitude du réchauffement pendant les interstades des Danjgaroshke. Par contre, le refroidissement est toujours intense et nous avons l'apparition des espèces marines polaires justement en Méditerranée. Voilà, alors je vous raconte des belles histoires, j'espère. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est-à-dire, c'est très passionnant de savoir, mais alors les données paléoclimatiques doivent servir à quelque chose. Alors, je vous propose la discussion qui est présentée dans cette publication plutôt récente. Alors là, la courbe est une synthèse, la courbe paléoclimatique, est une synthèse des données qui ont été recueillies partout dans le monde, dans tous les océans, y compris la Méditerranée. Ils ont fait une synthèse, ils ont calculé un paramètre qui est important, c'est la sensibilité climatique. La sensibilité climatique, c'est la quantité de réchauffement qu'on s'attend au refroidissement, qu'on s'attend quand les gaz à effet de serre changent dans l'atmosphère. Alors, les résultats de cette étude, pendant les phases glaciaires, le climat n'est pas très sensible, c'est-à-dire c'est plutôt stable. Pendant les phases interglaciaires, c'est là que la sensibilité du climat augmente. Donc, on peut avoir une amplification du réchauffement qui tombe un petit peu dans les calculs d'incertitude, mais c'est comme ça. Alors, ce que je vais vous montrer ici, donc l'échelle des temps est à l'envers par rapport à ce que vous avez vu maintenant, c'est le stade isotopique 5.
Les stades isotopiques 5, si on considère les incertitudes, ben, comme je vous avais dit déjà, ça a été le réchauffement autour des 4-5 degrés moyenne globale. Les stades isotopiques 11, hein, c'est encore un interglaciaire chaud, un petit peu moins. Alors, et maintenant, ici, nous allons dans la partie post-industrielle. Alors, si on applique les mêmes contraintes de calcul de la sensibilité climatique à la période post-industrielle, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que la sensibilité augmente de manière très importante. Et là, on va plutôt vers les 5-6 degrés de réchauffement à l'état actuel. Alors, ce changement entraîne bien sûr des changements importants partout. Alors, nous sommes concernés par les changements de la morphologie du littoral. Alors, je me suis amusée, entre guillemets, parce que ce n'est pas très amusant de faire monter le niveau de la mer d'un mètre. Le delta du Rhône sera à mètre, que c'est une augmentation très modeste, sera quasiment submergé. Les lagunes de notre littoral changeront complètement de morphologie. Et à côté de ça, nous allons sans doute avoir des variations des conditions climatiques locales, des conditions de la circulation océanique, bien évidemment de la disponibilité des ressources en eau, l'exposé précédent en a largement parlé, et de l'écologie et la biodiversité seront fortement impactées. Je termine avec cette image. La Méditerranée est classée parmi les plus importants hotspots de biodiversité au monde. Et donc, ça devrait faire quand même un objet particulier des préservations par rapport au changement climatique. Je vous remercie de votre attention.